t'ai entendu chanter il y a quelques instants, tu vas te présenter et dire quel est ton rôle dans ce paradis. C'est Solène. D'accord. Elle est, on va dire, meneuse de revue au Paradis Latin pour la réouverture ce soir. Dans moins de 2 heures, les gens seront à table. Et dans 2h30, 3 heures, eh bien, tu seras en train de chanter sur scène. Très bien, ok. Comment on se sent à quelques heures, justement, de la réouverture? Comment on se sent à quelques heures de la réouverture? C'est très excitant, on se sent privilégié parce qu'on est un des rares lieux là sur Paris à réouvrir aussitôt. Le deuxième après Michel. Voilà, après tous ces mois là d'attente, c'est vrai que c'est très excitant, c'est privilégié, on est chanceux. Et comment tu as vécu cette attente? Comment j'ai vécu cette attente? Moi j'ai profité beaucoup des personnes que j'ai pas eu l'occasion de voir durant ces dernières années parce que j'ai été très occupée. J'ai profité de travailler également avec, dans la musique sur des projets personnels et puis de me ressourcer et d'apprendre à peut-être à réapprécier des choses très simples de les voir, comme le partage et bon, la musique ça changera jamais, mais voilà, beaucoup. Tu as fait comment sur ces marches? Comme tout le monde ici, j'ai passé une audition. C'était à l'époque où il y avait donc Iris pour remplacer Iris. Donc je suis là depuis mai 2018. J'ai eu l'occasion de jouer beaucoup également sur cette scène, puisque Iris, ça arrivait qu'elle ne soit pas là. Donc j'étais là pour ça justement. Voilà. J'ai passé une audition comme tout le monde ici même, sur la scène du paradis. Nous sommes donc sur la scène du paradis. Oui. Quels sont les titres que tu vas interpréter? Quels sont les grands moments pour toi de la soirée? Les titres que je vais interpréter, il y a L'amour suprême, ça c'est l'entrée de la meneuse de revue. Et puis ensuite, il y a un tableau disco, il y a du Donna Summer, du ABBA, il y a également des choses un petit peu plus modernes comme du Justin Bieber ou du Justin Timberlake. Et puis il y a une composition. Une composition à la fin, c'est le tableau final. Ça a été créé pour le Paradis Latin. Pour le Justin Bieber, il me semble que je t'ai entendu répéter. Oui, sorry. Oui, c'est pas évident parce qu'il faut danser en même temps et c'est deux choses qui ne coïncident pas trop, chanter et danser, c'est pas évident à travailler, mais ça se fait. Tu as travaillé ça comment? Comment tu es arrivé à chanter, danser avec Kamel? Oui, j'ai travaillé avec Kamel évidemment, et puis j'ai fait de la corde à sauter, j'ai essayé de travailler justement pour éviter d'être trop essoufflé en chantant et que ça s'entende. Et puis après, je l'ai fait, refait. Faire en sorte que ça marche et que ça rentre. Combien de fois as-tu vu le spectacle de l'autre côté? J'ai vu le spectacle 5 fois, je pense, de l'autre côté, avec donc Yannis sur scène à l'époque. Et puis, je me suis régalée. C'est vrai que c'est cool. C'est agréable de pouvoir avoir un œil extérieur aussi quand on fait partie du show. C'est très, très agréable. Et constructif aussi. On apprend beaucoup. Quels sont les moments que tu privilégies ici au Paradis? C'est marrant de dire les moments qu'on privilégie au paradis, comme si on pouvait être en enfer. Non, mais moi, les moments que je privilégie, que ce soit au paradis ou dans d'autres théâtres ou lieux d'événementiel, spectacle, c'est le relationnel. Pour moi, c'est un peu comme une famille ici, on s'entend bien avec tout le monde. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi, le rapport à l'humain, le partage. Puisque d'autant plus que sur scène, avec une troupe, c'est très important de s'entendre avec tout le monde et de partager les choses. La complicité se ressent sur scène. Est-ce que tu as le temps d'avoir une vraie vie en dehors de ça? Parce que bon, il y a quand même 5 ou 6 soirs par semaine, il y a des matinées de temps à autre. Est-ce que c'est pas trop imposant, trop lourd pour tes épaules? Non, c'est pas trop imposant, parce que ça me plaît beaucoup. Je suis contente d'être là quand je viens. Rare des téléphones où j'ai râlé, et si j'ai râlé, c'est peut-être parce que j'étais un peu malade ou encore. Donc, non. Donc là, ce soir, tu as tout préparé dans ta tête, j'entendais que tu faisais un peu plus de reverb, un peu plus de grave, etc. etc. Donc, c'est, pour toi, c'est très important cette dernière, comment on pourrait dire, mise en boîte avant de t'en trouver. Là, une fois que les lumières s'éteignent et que tu te retrouves sous les projecteurs. Oui, c'est très important parce que déjà il faut se sentir à l'aise pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Évidemment, il faut avoir un travail en amont et être prêt. Mais il y a effectivement tout le côté technique, l'échauffement, le maquillage, la préparation, etc. qui fait partie du show, sauf qu'on ne le voit pas en fait. Mais pour nous, ça fait partie du show. Vous êtes combien maintenant en tout sur la scène?
bonne question. Je pense qu'on est en tout 20-25. Oui, 25, je dirais. Et qu'est-ce qu'on va te souhaiter alors maintenant ? Pour ce soir déjà. Un grand toy-toy. Voilà. Voilà. Et pour la suite ? Et pour la suite, faire en sorte qu'on puisse jouer régulièrement. Je touche du bois, que ça ne referme pas, que tout se passe bien. Et puis que ça marche, quoi, que ça fonctionne, que les gens viennent, que les gens passent un bon moment et en parlent autour d'eux. C'est très important. On croise les doigts pour toi. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. Merci.